Bonjour, je suis bien le général Jean-James Koundou, révérend pasteur de l'Église internationale du Christ. Nous sommes basés à Villejuif. Bien-aimé, à compter de maintenant, la semaine prochaine, je commence une émission sur cette chaîne Infomédia No. 1. Je serai là toutes les semaines, vous pouvez me regarder sur cette chaîne. Et déjà, je commencerai à parler déjà des rêves dans le rêve, sur cette chaîne, je parlerai du rêve. Et je sais que le rêve, c'est un domaine assez tabou dans certaines églises. Les gens se posent la question à savoir qu'est-ce que le rêve. Mais alors, les gens oublient une chose, c'est que plusieurs personnes en souffrent aujourd'hui par rapport au rêve. Certains n'arrivent même pas à dormir parce qu'ils sont traumatisés de leur rêve. J'ai eu des témoignages des personnes qui ont été envoûtées dans le rêve, des gens qui ont été mordus par des serpents dans le rêve, et que le matin, lorsqu'ils sont réveillés, bien aimés, ils ont vu des cicatrices sur leur corps. Je connais quelqu'un, en fait, qui a eu un rêve dont il mangeait de la viande saignante. Lorsqu'il se réveillait le matin, s'il vous plaît, il avait du sang dans la bouche. Et je parlerai, en fait, du rêve. Et je voudrais que la semaine prochaine, que vous ne manquez pas et que vous regardez, parce que je ne parlerai pas seulement des nourritures que nous mangeons dans le rêve, du rêve mangé dans le rêve, parce que c'est ce qu'on appelle les pour les gestes spirituels. Je ne parlerai pas seulement de ça, je parlerai aussi en fait des rapports sexuels dans le rêve que les esprits incubent et succubent nous amènent à avoir, et je vais rentrer en profondeur et je vais parler de ce livre que bientôt nous allons déguiser ça, nous allons parler en profondeur de ce livre. Et je voudrais que tu appelles une amie, que tu appelles un ami, tu dis le général Jean James est maintenant sur Infomédia One et je sais que tu seras béni, tu ne seras pas déçu. Que Dieu vous bénisse et nous nous voyons très bientôt. Merci.